Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais venir te montrer comment cutter un clip sur Filmora. Quand je dis cutter, c'est simplement venir séparer par exemple la vidéo d'une partie de l'autre vidéo. Alors comment ça va faire? Une fois que tu as mis ta vidéo par exemple dans ton logiciel Filmora, tu la mets après sur ta timeline. Voilà, une fois que tu l'as mis dans ta timeline, tu peux voir que la vidéo ici nous va durer 48 secondes. Tu veux que la partie au milieu, par exemple à partir de ce moment-là, soit coupée en deux. Alors comment faire? Tu peux voir qu'ici tu as directement un raccourci, tu peux voir qu'il est ici, tu cliques dessus, ça va venir couper ta vidéo. Et comme tu as pu le voir, ça t'a donné aussi un raccourci clavier. Pardon, tu viens mettre par exemple ici, et le raccourci clavier c'est CTRL-B. Voilà, je vais te laisser le logiciel te réafficher, CTRL-B, voilà tout simplement. Et tu vas pouvoir venir faire des cuts où tu veux dans ta vidéo directement comme ça. Et après, par exemple, ce clip-là, tu peux venir le déplacer à l'arrière, tout redéplacer et déplacer ça comme ça. Et tu vas pouvoir voir que ici, voilà, tu peux voir que tu vas avoir le cut pour venir ici. Et par exemple, une fois que tu as mis un cut, tu peux venir mettre des petites transitions, des petits effets de transition. Voilà, tout simplement comme celle-ci. Là, tu vas me dire, c'est normal, ça se voit pas beaucoup, c'est le même clip. Il faudrait mettre par exemple une transition beaucoup plus visuelle comme celle-ci. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker pour plus d'astuces sur Filmora 13. Allez.